Coucou tout le monde! Vous voulez savoir comment coudre un tote bag, mais avec plusieurs options? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser un tote bag avec plusieurs options. Pourquoi plusieurs options? Bah en fait, tout simplement parce qu'il y a déjà plein de tutos à ce sujet et du coup, j'ai voulu optimiser la vidéo pour n'avoir qu'une seule vidéo avec plusieurs possibilités. Et oui, si j'ai créé ce tutoriel, c'est parce qu'en fait, je suis bénévole dans un atelier de couture que j'anime pour ma commune, qui propose des activités gratuites. Donc comme je le fais pour eux, bah, du coup, je partage avec vous. Donc dans ce tutoriel, on va voir comment coudre un tote bag tout simple, mais également d'autres avec un peu plus de détails. Je vous ai réalisé un avec deux coloris. Je vous explique comment découper vos pièces. Ensuite, je vous montre également comment réaliser des anses avec deux coloris. Comment coudre également avec des coutures anglaises. C'est une technique qui permet de ne pas voir justement les coutures à l'intérieur du sac. Il y aura également une autre option qui sera de réaliser une poche avec ou sans zip. Cette poche justement elle se lève facilement donc vous n'aurez pas de difficulté si vous utilisez ce sac pour faire des courses pour accéder à votre téléphone, vos papiers, votre carte bleue, etc. Et enfin dans cette vidéo je vous explique comment donner de l'ampleur à votre sac sur le bas. Dans le livret que vous allez pouvoir télécharger, le lien se trouve sous la vidéo. Je vous explique comment doubler votre sac, mais aussi je vous explique une autre manière de coudre vos anses si vous ne voulez pas vous embouter à retourner 4 cm de anse sur 80 cm. Avec ce tutoriel, j'ai vraiment voulu vous permettre de pouvoir vous amuser à varier vos modèles. J'espère réellement que mes explications seront claires, sinon n'hésitez pas à le dire en commentaire. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire car je sors des vidéos toutes les semaines et voire des fois un peu plus. Donc qui dit vidéo dit patron, gratuit. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Un petit pouce bleu pour me remercier et aussi pour me dire que la vidéo vous a plu. Et un petit commentaire au passage, ça fait toujours plaisir de pouvoir vous lire. Alors, je vous montre comment on réalise ce tote bag avec plusieurs options. A tout de suite, après ça.
Thank you.